Et salut tout le monde, c'est Get, bienvenue sur la RTV. Aujourd'hui, comme d'habitude, on se retrouve pour du Hearthstone. Et pour aujourd'hui, je vous ai préparé un petit deck mage que je vous propose qu'on aille voir ensemble tout de suite. Alors, c'est un deck Frost, où en fait le but du jeu, ça va être de gérer votre adversaire, vous verrez. Beaucoup de cartes pour geler ses créatures, pour s'en débarrasser. En attendant de sortir derrière Alexstrasza et pouvoir derrière lui balancer une petite pyro, des boules de feu, bref, de quoi lui faire pas mal de dégâts en très peu de temps. Et donc dans le deck, on prend les deux javelots de glace, donc qui va vous permettre soit de geler un personnage, ou si ce personnage-là est gelé, lui infliger 4 points de dégâts. Les deux éclairs de givre, donc qui va vous permettre d'infliger 3 points de dégâts à un personnage et le geler. Les deux hospices funèbres, donc c'est-à-dire que s'il survit jusqu'à votre prochain tour, vous allez détruire tous les serviteurs présents sur la table, y compris les vôtres. Le mage de Santalnos qu'on présente plus. Les deux barrières de glace, donc c'est un secret, et à chaque fois que votre héros sera attaqué, vous allez gagner 8 points d'armure. Enfin, pas à chaque fois. En fait, la première fois que vous allez être attaqué, vous allez gagner 8 points d'armure. Les deux blocs de glace. Donc c'est pareil, c'est un secret, et le dernier point de dégâts qui devrait vous être fatal en fait, va vous rendre insensible jusqu'à votre tour. Les deux intelligences des arcanes, donc qui va vous permettre de piocher deux cartes. Les deux Nova Givre, qui va vous permettre de geler tous les serviteurs adverses, idéal pour gagner du temps. Les deux vaporisations, donc dès qu'une créature adverse va attaquer votre héros, elle sera détruite. Les deux acolytes de la souffrance, qui va vous permettre de piocher. Les deux boules de feu, donc un des blasts qui on va essayer de garder pour la fin qui va infliger 6 points de dégâts. Une métamorphose, deux Drekazur, pareil, dégâts des sorts plus 1 et quand elle va arriver sur la table, elle va vous permettre de piocher une carte. Deux blizzards, donc c'est une AOE qui va infliger 2 points de dégâts à tous les serviteurs adverses en plus de les geler. Les deux chocs de flamme, donc ça va infliger 4 points de dégâts à tous les serviteurs adverses. Alexstrasza, donc qui va vous permettre de fixer les points de vie d'un héros à 15, donc soit pour vraiment mettre la pression à votre adversaire, soit pour vous soigner, mais en général sera plus utilisé pour mettre la pression à votre adversaire. Et donc l'explosion pyrotechnique qui va vous permettre d'infliger 10 points de dégâts, un très très bon finish. Voilà, moi je vous propose, c'est qu'on aille voir tourner le deck tout de suite en partie classée. Voilà, on est parti. Et donc le but du jeu, ça va vraiment être de contrôler la table, d'empêcher votre adversaire de vous infliger du dégât, trop de s'étendre, jusqu'à ce que vous ayez Alexstrasza. Donc pour ce faire, on a donc les blocs de glace, les barrières de glace. On a plein de choses, et on commence contre un Rexxar. Alors le Rexxar va être pénible en fonction de la sortie, parce qu'avec son passif, on a une pas terrible, donc ça on va garder, ça on va garder. Et ça, on va essayer d'avoir quelque chose de plus utile en début de partie. Donc avec son passif, il va pouvoir vous infliger 2 points de dégâts, tout en passant au travers de vos secrets. Alors, donc on a une main vraiment pas terrible. Là, on a donc une vaporisation, la barrière de glace, l'une intelligence des arcanes, qui va nous permettre de piocher quand même, et le Drekazur. Et on pioche une Nova Jeep, qui va peut-être nous permettre de gagner un peu de temps. Là, on n'a rien à jouer, ça sert à rien d'utiliser la pièce. Donc voilà, alors sur cette arène, il y a un rituel. Comme sur WoW, j'étais hors d'eux. Quand j'arrive à Hurlevent, je suis obligé de tout casser. Alors nous, on va faire la pièce et on va aller piocher. Travail terminé. Et on va finir de tout casser en attendant que notre adversaire joue. Et il joue son arme, donc il a décidé de nous bourrer rapidement. Alors là, le problème de son arme, c'est qu'à chaque fois qu'il va nous déclencher un piège, son arme va gagner 1 de durabilité. Mais de toute façon, il va quand même falloir qu'on les joue. Donc on va juste poser la barrière de glace, histoire de gagner un peu de temps. C'est dommage qu'on puisse pas le faire s'envoler, lui, quand même. Bref, le voleur, c'est vraiment pas un match-up super facile. Donc là, je pense qu'il a joué ça parce qu'il a eu peur d'une entité miroir.
Alors la question que je me pose, c'est est-ce que... Non, ça va d'abord donner, je pense... Voilà, la durabilité à l'arme. Alors, bah, nous, derrière, on va simplement aller upiller ça. On n'a pas grand-chose d'autre à jouer. On pourrait jouer l'hospice funèbre pour l'empêcher de piocher des créatures. Ou alors l'obliger à consommer quelques cartes. Ça peut être pas mal. C'est au prochain tour, on pourra poser le Drake Azur. Donc il y a certainement deux sur deux, voilà, sa deuxième arme, ça c'est fait. Et on va se prendre un tir. Donc voilà, vous voyez, hein, le Hunt avec son arme, avec son passif, il est vraiment très très pénible. Et nous derrière, pour l'instant, on pioche rien d'intéressant. Donc la vampirisation, plus pour l'instant, elle nous intéresse pas. On n'a même pas de quoi lui mettre vraiment la pression. Lui derrière nous sort une missilière. Et il continue à nous en mettre plein les dents. Nous derrière on va poser la barrière de glace. Et je pense qu'à ce tour-ci on va simplement lui jeter sa créature pour commencer à lui mettre un peu la pression. Mais là la partie est vraiment très très mal partie. Sinon, ce qu'on peut faire, c'est poser la vaporisation. Non, simplement continuer à le bourrer et à le geler. Parce qu'au prochain tour, on a éventuellement le Flame Strike pour nettoyer un peu. Mais là, on n'est vraiment pas bien parti pour l'instant. Donc là, la bonne nouvelle, c'est qu'il a plus d'armes. Donc là, on va pouvoir jouer les secrets sans se poser de questions. Puis derrière, va essayer de déclencher le secret le plus vite possible. Et à ce tour-là, on va simplement faire le flame strike parce qu'on n'a pas grand-chose d'autre à faire et on est vraiment pas bien. Ce qui serait pas mal au prochain tour, serait de piocher à l'extraza. La fusée éclairante et certainement derrière, on va se prendre un Leroy ou alors un deuxième golem arcanique. Ou un commandant d'argent, voilà, donc la première game, elle est... on la perd. Voilà, le chasseur, c'est vraiment un match-up terrible pour le mage. Justement, parce que les secrets lui activent son arme, il a les fusées éclairantes pour nous faire sauter les secrets. Vraiment pas un très bon match-up pour nous. D'ailleurs, dans les match-ups, qu'est-ce qui est bon pour le mage? Le miracle. On va être très très fort contre un miracle, très très fort contre les démonistes aussi, surtout les unlock. Enfin, j'ai pas trop joué contre les zoos, donc je sais pas trop. Et par contre, après, donc les match-ups compliqués, on l'a vu, il y a le chasseur. Le guerrier contrôle aussi, il va être très très dur à tuer avec son armure. Et là, donc, on va jouer contre un démo. Alors, j'espère qu'il est unlock. Vous l'avez cherché. Et s'il est pas unlock, il va nous falloir une armure pour ça. On va quand même garder le blizzard. On va virer le reste. Alors là, on a vraiment une main très très lourde. Et si c'est un zoo, on va vraiment pas être bien du tout. Avec une main pareille. Il va vraiment falloir qu'on pioche de quoi lui temporiser ses créatures en début de game. Jusqu'à ce que justement les blizzards sortent et le flame strike. Mais pour l'instant, on n'est pas bien. Alors on va voir ce qu'il va jouer. Par contre, si c'est un lock, ça pourrait être pas mal pour nous. Toujours pareil à condition que tout ce qui est boule de feu, éclair de givre sorte assez rapidement. Histoire de lui mettre la pression rapidement, de l'empêcher trop de piocher. Donc on va voir. On va vite savoir si c'est un lock ou si c'est un zoo. On va continuer à casser le décor pour l'instant, c'est marrant. On va cultiver un peu le potager. Et notre adversaire de son côté a pas l'air vraiment pressé de jouer. La lumière me protège. Alors donc ça va être un zoo. On va déjà commencer par le potager.
La vaporisation pourrait éventuellement être intéressante au prochain tour, même s'il risque d'envoyer simplement son écuyère. On va voir ce qu'il va jouer. Je sens qu'il a encore la pièce en main. Il y a moult possibilités. Voilà, la pièce est certainement un fer. Ou un golem. Pour l'instant, ça va, c'est pas plus agressif que ça. Je pense qu'on va aller simplement aller lui pigner la deuxième fournée cuillère, ou alors sinon on joue la vaporisation en espérant qu'il y ait une tape avec le golem. On va faire ça. Parce qu'il va nous jouer, voilà, donc il attaque avec les cuillères malheureusement. Il n'est pas si bête que ça, donc dans deux tours, on a quand même le bizarre. Dans trois tours, pardon. Bizarre, ça va être long. Et le deuxième golem. Puis la barrière de glace. On va s'empresser de jouer histoire de gagner un peu de temps. Prochain tour, on pourra jouer le Drake Azure. Et le tour suivant, si Drake Azure survit, le bizarre va faire mal. Alors, un sombre fer. Et donc la pyro. Alors, pour l'instant, elle va pas du tout nous servir. On va pas du tout nous break. Bon, moi, ce que j'aime bien, c'est qu'il commence à connexionner quand même. Il a pas l'air pressé. Au prochain tour, on va commencer à pouvoir jouer les bizarres. Puis on risque de se prendre un feu de lame sur le Drake. On n'a pas des sorties extraordinaires quand même pour l'instant. Sur les deux parties qu'on a fait. Alors derrière il nous joue un berserker. Voilà, le feu de lame c'était prévu. Et là il risque de commencer à faire ses connexions, ce qui nous arrange. On commence à prendre quelques dégâts, c'est pas trop dramatique pour l'instant. Alors, un éclair de givre. Je pense qu'à ce tour-là, on va simplement faire un petit bizarre. Et on va voir au prochain tour ce qu'il nous propose. Le problème, c'est que le prochain tour, le bizarre, il va tuer les deux golems et ça va refaire pop les deux 1. Et je vais rien avoir ni en mana, ni en sort pour les gérer. Alors un garde funeste, donc il repère deux cartes derrière. La lumière me protège. Il a perdu un jongleur et un sergent. Voilà. Alors ça c'est pas mal. Donc, on va déjà piocher. C'est pas mal comme main. Donc on va lui geler. On va continuer à gagner du temps. Là il a plus qu'une carte en main, donc il va être obligé de piocher. Avec la connexion, voilà. Donc il pose rien. Nous derrière, alors on peut refaire le bizarre, mais toujours pareil. Ces deux golems ils vont repop. Donc ce qu'on va faire, alors. On va déjà piocher un coup, je pense. Je calcule. 3. 6, il me restera 2, impeccable. Un javelot de glace et le flame strike, ça va être plutôt cool. On va déjà aller lui tuer un golem. Et on va tuer tout ça. Ça, au prochain tour, on pourra éventuellement repinguer celle-là, remettre un petit coup de bizarre. Par contre, il est en train de se refaire une main. Pas forcément quelque chose pour nous. Je pense qu'on va rester sur ce qu'on a dit.
C'est-à-dire on va les pinguer ça. Et un petit coup de bizarre, comme ça on minifose tout au fond des bornes. Et au prochain tour, s'il repose beaucoup de créatures, on a le Flame Strike en main. Et on aura assez de mana pour lui pinguer son deuxième garde funeste. Et là il va être temps qu'il y a l'Extraza sorte. Hein. J'ai pas mal pioché quand même, presque plus. Enfin, on a pioché. Là, je bafouille. On a pioché plus que le démo. Alors le deuxième garde funeste, ça c'est chiant. Ça c'est très chiant, d'ailleurs je pense que pour le gérer, on va être obligé de lui moutonner un et lui engeler un deuxième. Bon, réfléchir, je vois pas quoi faire d'autre. Donc là par contre, Alexstrasza, elle nous servira plus à nous soigner nous. Alors la question c'est, est-ce qu'on lui tue une de ces deux petites bêtes ou est-ce qu'on commence à lui mettre la pression à coup de boule de feu? On va continuer à lui nettoyer le bord. Donc les deux gardes funestes sont passés, ça c'est plutôt une bonne nouvelle. Par contre on n'a toujours pas un seul secret qui est arrivé. Ça c'est assez pénible. Ça pourrait nous permettre de gagner pas mal de temps là, le secret. Donc, toujours pas de secret. Alors, est-ce qu'on va aller chercher une carte? Derrière, on pourra lui pinguer. Elle, histoire de lui faire sauter le bouclier. Continuer à lui geler son garde funeste. Avec les jabots de glace. Parce que là, à mon avis, pour jouer ces cartes, il attend qu'une chose, c'est qu'on joue le Flame Strike. Je me demande. Écoutez, on va déjà aller chercher une carte. Bon, c'est pas ce qu'on voulait. Manger ça et allez manger ça en espérant que les secrets qu'Alexstrasza sortent rapidement, histoire qu'on se remonte un peu avec 15 points de vie, que lui derrière il se décide à poser un peu de créatures, que le Flame Strike nettoie un peu tout ça. Vous ne passerez pas. Bon, ça c'est pas plus dérangeant, ça non plus. Ah, oui, il va certainement nous tuer ça, voilà. Et le bloc de glace, impeccable. Donc là, on va réfléchir deux secondes. On va lui clean du bord, on va poser le secret. En fait, j'aurais peut-être dû lui tuer que tout ça. On va voir. Nous devons purifier le puits de soleil. Voilà, j'aurais dû lui tuer. Le deuxième plan sera il peut toujours sortir. S'il nous tue pas à ce tour là, Extraza qui sort. Oh, on a gagné en fait. Hop. En fait, il n'y a pas de quoi s'inquiéter, puisque là, de toute façon, il peut pas nous tuer à ce tour là avec le bloc de glace. Et nous, au prochain tour, on aura juste à balancer une petite pyro dans ses dents. Et on voit là une partie qui s'est plutôt bien déroulée. Même si les secrets ont tardé à venir, on va dire qu'on a pioché le bloc de glace au bon moment. Et au pire, on n'aurait pas eu la pyro pour l'achever, on avait Alexstrasza. Et voilà, bah écoutez, je vous propose qu'on aille en faire une petite dernière.
Donc, première victoire sur la quête journalière. Donc, on va aller faire une petite dernière partie avec le mage. En espérant tomber sur autre chose que le chasseur ou le démo. Histoire de voir un autre match-up, ça pourrait être intéressant. Et un mage contre mage. Alors, est-ce que ça va être un mage aggro ou est-ce que ça va être un mage force comme ça? Ça, c'est une question. Dans le doute. Ça, on va garder et on va virer le reste parce que Flame Strike, c'est vraiment trop tard. La boule de feu pourrait servir pour nous débarrasser d'un élémentaire. Manquer d'eau, créature infâme. On va peut-être garder la boule de feu quand même. Alors, la barrière de glace, c'est plutôt sympa. L'intelligence des arcanes aussi, surtout si c'est un autre match post en face. Sachant qu'on a la pièce. Alors, il va certainement nous jouer la Wurm de Mana tour 1. Ou les images miroirs. Alors ça, c'est vraiment le genre de carte qui va absolument pas nous déranger dans ce décor. Au point que derrière, on va aller simplement piocher. Oh, le misplay. Oh. Je n'ai pas assez de mana. Oups. Oh, oh non. Oh. Oh la honte. Oh. Oh, mais qu'est-ce que j'ai fait? Bon, on va mettre ça sur la fatigue, hein. Oh, mais pourquoi j'ai fait ça, moi? Oh, c'est nul. Bon, c'est pas grave. Donc, ça va être un match aggro, on s'y attendait. Qui nous a joué les images miroirs. Alors, donc là, cette fois, on va les piocher. Et on pioche plutôt bien. Alors, derrière le Yeti noir, ça va être pénible. Là, je pense qu'on va aller lui ship le Yeti, quoi qu'il doit peut-être avoir un Nyarose dans le deck. Donc le chip sera encore mieux sur Vanyarot. On va simplement aller gagner du temps. Avec la première barrière de glace. Ah, donc, je pense qu'il s'attendait à une Vapo. Dans deux tours, on va commencer à pouvoir jouer notre Blizzard. Une nouvelle Givre au prochain tour serait plutôt sympa. Voilà, suffisait de demander. Alors je sais ce que vous allez vous dire, j'ai trop de luck, absolument pas. J'ai juste appelé les cartes. Alors derrière, qu'est-ce qu'il va nous jouer? Un attaque de la souffrance. C'est chiant, mais sans plus. Alors tiens, on pioche le nôtre aussi. Donc là, on va faire un petit bizarre, ça va nous traîner un peu le bord. Bon, il repioche derrière, c'est pas trop grave. Donc on a l'extraza en main. Deuxième vraie casure. On va commencer à nous infliger du dégât. Alors le Flame Strike impeccable. Donc là on va pas se poser de questions. Donc derrière on a toujours la deuxième barrière de glace en main. On va pouvoir lui pinguer ça gentiment. Le deuxième Yeti. C'est chiant mais sans plus. Alors ça voilà. Pour ça qu'on avait gardé la boule de feu. Alors est-ce que ça vaut le coup tout de suite? Je pense qu'on va on va d'abord les piocher. Et derrière, on va continuer à tempo.
voir que le prochain blizzard, si le Drake Azure survit, j'en doute un peu. Mais le blizzard infligera 3 quand même, donc ce qui est pas mal. Ah, et voilà, Rania Rose, donc voilà la raison pour laquelle on a gardé la métamorphe. En plus, ça tombe sur le Drake, c'est impeccable. Donc nous derrière, on va lui fixer ça tranquillement. Et on va continuer de tempo avec une deuxième barrière de glace. Donc on va bientôt pouvoir jouer à l'Extraza. Deuxième élémentaire, un deuxième golem, alors le deuxième acolyte of pain. Pour l'instant nous avons pas servi à grand chose les acolytes, pas trop eu l'occasion de les jouer. Alors je serais bien allé lui à l'Extraza tout de suite la tête. Le problème c'est que je commence à être quand même low PV, j'ai pas mes secrets. Il va vraiment falloir qu'on tente à mort. On va poser un acolyte. C'est le prochain tour, on pourra potentiellement aller piocher. Le deuxième Claim Strike serait plutôt sympa. Bon alors il décide de nous le chip. Ça nous arrange un petit peu. Derrière il sort le sien. La deuxième Nova Chivre. Alors le flame serait quand même été sympa. Ah, l'hospice funèbre, ça peut me faire perdre du temps. La fin est proche. Et derrière, on va aller lui chiller. Un gros truc tout moche. Donc les secrets qui une nouvelle fois ils veulent pas sortir, il nous reste 11 cartes à piocher. Alors il est désolé, pourquoi? Tiens, nous lance une boule de feu, ou nous tue à ce tour-là. Voilà, c'est pas grave, nous c'était juste pour gagner du temps. Ah bah voilà un premier bloc de glace qui est plutôt sympa. Alors derrière. Donc on va les piocher. On va bloc de glace. Et je pense qu'on va continuer à gérer une des deux créatures. Je me sens pas bien du tout dans la partie. Si on va être obligé de jouer à l'Extraza pour nous remonter les points de vie. On a quand même les deux boules de feu et la pyro. On n'est pas très bien. Il y a probablement un éclair de gif qui va sortir. Alors, une boule de feu, c'était attendu. Éclair de givre. Là, il va faire sauter le secret, voilà. On va essayer de gagner du temps, mais à mon avis, celle-là, elle est perdue. Il a une bien meilleure sortie que nous. Le deuxième Flame Strike, toujours à piocher. Alors, le Blizzard. De toute façon, même avec le deuxième.
Flame Strike, on ira pas loin. Si on va pas sortir. Ça. La fin est proche. Et derrière, on va quand même aller tuer une petite créature. Là, l'hospice funèbre, si elle survit de toute façon, Alexstrasza mourra. Voilà, Flame Strike en plus derrière. Non, bah cette dernière partie va s'achever sur une défaite. Je vois pas ce qu'on pourrait piocher. Nous avons soif de vengeance. Travail terminé. De toute façon, même la pyro, elle fera pas suffisamment de dégâts. On a déjà joué nos deux javelot de glace et éclair d'ogivre. Le monsieur, il a gagné. Que le deuxième play strike aurait pu nous sauver la vie. Je dis bien aurait pu. Malheureusement, il a pas voulu sortir. Bon, tant pis, c'est le jeu. Ça arrive donc là. Bon, de toute façon, c'est perdu. Hein. J'apporte la vie. Donc, extra là, de toute façon, on se remonte. Je n'ai presque plus de cartes. Et ben voilà, bah écoutez, moi j'espère que cette vidéo vous aura plu. J'espère que le deck aussi. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à liker la vidéo, à la partager. Moi je vous donne rendez-vous donc tous les vendredis de 21h à 23h en live. Donc vous retrouverez l'adresse dans la description pour pouvoir me suivre. Et je vous dis à la semaine prochaine. Ciao tout le monde.